Coucou pédagogue extraordinaire, c'est Soa de Mes Petites Stratégies, la chaîne où on apprend à apprendre à nos enfants, à nos élèves. Est-ce que tu sais pourquoi certains élèves refusent systématiquement d'apprendre leurs mots de vocabulaire? Pourquoi ils essayent d'éviter cette tâche et qu'on entend aussi souvent « Oh non, pas encore du voc !» En fait, en investiguant un petit peu, on se rend compte que beaucoup de ces élèves-là n'ont pas appris à identifier ce qui est difficile dans leur vocabulaire. S'il y a une zone difficile dans le mot, pour eux, à leurs yeux, ça va être le mot entier qui est difficile. Et s'il y a quelques mots qui sont difficiles dans leur vocabulaire de la semaine, eh bien c'est tout le vocabulaire qui va être difficile. Et du coup, petit à petit, mémoriser du vocabulaire devient à leurs yeux une espèce de montagne insurmontable et ils se mettent à de plus en plus procrastiner, voire refuser d'apprendre leurs mots de vocabulaire. Alors aujourd'hui, on leur apprend à diriger leur attention et leur énergie sur les zones difficiles avec la carte stratégie des zones à identifier. Lorsqu'on sait identifier ce qui est difficile dans ce qu'on mémorise, on va très vite se rendre compte qu'il n'y a pas tout qui est difficile. C'est certaines zones dans nos mots de vocabulaire ou quelques mots dans notre leçon qu'on ne connaît pas ou encore telle ou telle tournure de phrase qu'on ne maîtrise pas parfaitement et qui nous bloque un petit peu l'accès au sens. Mais du moment qu'on sait identifier ce qui nous pose problème, alors on peut pointer du doigt ces zones-là à notre cerveau et lui dire « ça, c'est une zone difficile, c'est là que tu dois concentrer ton énergie, ton attention ». Et pourtant, la plupart des enfants ne font pas cette identification spontanément. Pour leur apprendre, on va partir de mots de vocabulaire où on sait qu'il y a des difficultés pour les enfants, comme le mot « tête », le mot « mais », M-I-S, ou encore le verbe « appeler ». Et puis, on va leur demander de repérer un mot qui est difficile pour eux. Et on va leur demander si c'est tout le mot qui est difficile. Quelle que soit leur réponse, on va leur demander de nous montrer quelle partie exactement du mot les embête. Et puis, à partir de là, on va leur demander comment tu peux dire à ton cerveau que c'est cette zone-là sur laquelle il doit mettre de l'énergie, que c'est cette zone-là qui est difficile? En général, ils ne savent pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est leur donner un stylo rouge en leur disant « Et si je te donne ça ?» Et en général, ils trouvent tout seuls l'idée de souligner la zone ou la lettre qui est difficile. Et puis, on peut leur dire que c'est une super idée parce qu'effectivement, ça va attirer leur cerveau sur cette zone et il va pouvoir mettre plus d'énergie à cet endroit-là. Et puis on peut leur lire la carte qui dit « J'identifie les zones difficiles et je les souligne » pour dire à mon cerveau que c'est là qu'il doit mettre son énergie. Et tu vois, là il y a un placard D profond D et on dirige l'énergie de notre cerveau, l'attention de notre cerveau sur ces lettres spécifiquement. Ce qui est important de préciser ici, c'est qu'il va y avoir certains mots qui ne vont avoir aucune zone difficile à leurs yeux. Et puis d'autres mots vont avoir une zone ou une lettre difficile, et puis d'autres encore vont avoir plusieurs zones difficiles. Mais c'est jamais tout le mot en entier qui est difficile. Et puis, les zones difficiles vont dépendre de chacun. Sur un même mot, je ne vais peut-être pas souligner les mêmes zones que le voisin, et c'est totalement OK. Ce qui est important, c'est que je dirige mon propre cerveau et son attention sur les zones qui sont difficiles pour moi, pour qu'ils puissent vraiment y mettre de l'énergie. On peut utiliser cette carte après avoir enseigné aux enfants à découper les informations, à créer une alarme dans leur tête lorsqu'ils ne comprennent pas et à isoler les mots sur une petite carte. À ce moment-là, on peut leur montrer la carte d'identification des zones difficiles, la leur expliquer, et puis à partir de là, et ben chaque semaine, on va leur demander non seulement d'isoler les mots sur une petite carte et de s'assurer d'avoir compris, mais aussi de souligner les zones qui sont difficiles pour eux. Cette stratégie, elle est absolument centrale en mémorisation puisqu'elle active un type d'attention qui s'appelle l'attention sélective. C'est cette attention qui nous permet de choisir où on met de l'énergie et où on en met moins pour être efficient. Et donc, du moment qu'on a repéré dans un mot les parties où on veut investir de l'énergie, eh bien, on va pouvoir mettre en place des choses juste pour cette partie-là. Mais il faut d'abord pouvoir identifier que ce n'est pas tout le mot qui nous pose problème et qui a besoin de la même énergie, mais que certaines zones du mot vont avoir besoin de plus d'attention que d'autres.
Voilà, pédagogue extraordinaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ce qu'on peut faire dès qu'on a identifié les zones difficiles pour réussir à les mettre dans notre tête et à les retenir. D'ici là, je te souhaite, comme d'habitude, une semaine lumineuse, pleine de sourires, pleine de soleil et de faire briller les yeux de tes enfants, de tes élèves, de milliers d'étoiles. C'était Soa pour mes petites stratégies. Ciao, ciao!